Salut, aujourd'hui je vais vous apprendre à jouer le riff principal du morceau Cat Scratch Fever de Ted Nugent, tiré de l'album Cat Scratch Fever de 1977. Allez, allons-y! Pour ce riff, la guitare est accordée en standard, mi, la, ré, sol, si, mi, donc pas de problème. On va commencer en tapant la corde de mi grave à vide, suivi avec le deuxième doigt de la troisième case de la corde de mi grave, quatrième case avec le troisième doigt. J'irai ensuite poser mon premier doigt en barré sur la deuxième case des cordes de ré et sol. Je tape la corde de la à vide. J'irai ensuite sur la quatrième case avec le troisième doigt sur la corde de ré et le petit doigt sur la corde de sol. Je retape la corde de la à vide. Là, je vais glisser sur la cinquième case, toujours avec le troisième et le petit doigt. Et je retape une deuxième fois. Donc ça nous donne... Je retape la corde de la à vide. Je reviens sur la deuxième case, toujours avec mon barré, premier doigt, corde de ré, corde de sol. J'irai ensuite sur la quatrième case, avec le troisième et le petit doigt. Quatrième case, donc des cordes de ré et de sol toujours. Je redonne un coup sur la corde de la. Et là, sans slide, j'irai sur la cinquième case, avec les mêmes doigts, même corde. Je reviens ensuite sur la corde de mi grave. Même chose qu'au début, troisième case, deuxième doigt, quatrième case, troisième doigt. Je reprends la même chose qu'au début. Je retape la corde là. Je retape la cinquième case, corde de ré et de sol, avec toujours le troisième et le petit doigt. Je vais directement sur la quatrième case, il n'y a pas de slide. Je retape la corde de la et je finis sur la deuxième case, toujours avec le petit barré, premier doigt, deuxième case, corde de ré et corde de sol. Je refais tout ça lentement. J'espère que ce riff vous a plu. À très bientôt !